Ciel. Bon, c'est la première édition ici à La Louvière, à la Maison des Associations, dans le cadre du centenaire de la naissance de Paul Bury. Symposium qui a été proposé par l'Université de Paris 8 et plus particulièrement son laboratoire hypermédia situé par Agraphe, en partenariat avec Transculture, que je présente aussi ici, Centre des cultures numériques et sonores. Alors, ce symposium, il est assez large parce qu'on y parle d'art numérique, on y parle de l'héritage de ce grand artiste louviérois multivisionnaire et indisciplinaire, comme nous l'avons dit hier, Paul Bury. On peut voir encore quelques sculptures et fontaines motrices ici à La Louvière. Et on va jusqu'à des sujets qui touchent à l'intelligence artificielle, aux arts du futur, même aux NFT blockchain dont on parlera. Donc, je suis partie de cette idée d'un dépassement de l'architecture simplement comme objet pour voir qu'est-ce que ça pouvait être d'autre, comme apport, on va dire, à la connaissance. Et l'œuvre de Paul Bury est en effet ce miroir qui permet de traverser la simple spatialité pour aller explorer autre chose. Alors, la question, parce qu'il fallait quand même que je me limite, c'est comment on va le faire pour proposer les œuvres de Paul Bury comme effectivement des passages. Je propose de les mettre en parallèle simplement avec des travaux d'architecture et de questionner en même temps quelle est l'avancée, on va dire, dans l'exploration cognitive de l'espace, et puis finalement proposer quelle pourrait être la forme de spatialité virtuelle que cela dégage. Et ça en quatre temps sur lesquels je ne vais pas revenir, mais donc l'œuvre, quelque part, est à la fois, je n'ai choisi que quatre, hein, donc ça sera très limité, reflet, réfraction, éclat, diffraction. Photographique ou bidimensionnel. Je n'ai utilisé absolument pas dans cette exploration sensorielle ce qui relève effectivement la fontaine, on va dire, qui a déjà quelque chose de volumétrique et architectural, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette fine couche qui permet toute la multiplicité. Donc, on commence. Premier temps, effectivement, c'est le temps de la construction formelle. Et là, je reprends quelque chose que Philippe vient de citer. Dans mon 55, dans l'art et l'architecture, la convention qui sépare peinture et sculpture finira bien par disparaître. Donc, c'est déjà un premier dépassement tout à fait intéressant. Et ce qui est intéressant et précurseur pour moi, c'est sa capacité de dépassement. Après, je n'entrerai pas dans le débat d'intradisciplinaire, interdisciplinaire, mais c'est le dépassement. En effet, c'est pour ça que je parle de préfiguration. Étape numéro 1, le plan mobile. Donc, alors, c'est très intéressant, œuvre de 54, parce que, comme l'a dit très justement, là je la reprends, Anna Deseuse, en effet, ce plan mobile ne peut pas exister sans la main. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de mobilité, à la différence du côté caldaire où on voit la mobilité. Là, la mobilité est provoquée par la main. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de l'importance accordée à la forme qui est gestaltienne, qui n'est pas donc sans évoquer les espaces, par exemple, et les dessins d'Hans Scherhun fait avant. Et qu'est-ce que ça veut dire en effet pour moi, cette construction gestaltienne? C'est un premier passage dans lequel on a une compréhension qui est encore celle spatiale, on va dire, de l'espace tridimensionnel, mais on le dépasse par la perception de la forme qui suggère quelque chose. Et donc, dans ce sens-là, on est dans une forme de virtualité, mais qui est encore liée au dogme de la ressemblance. C'est-à-dire, si je dois à chaque fois, et c'est à peu près ce que je propose, avoir une œuvre
une idée, la gestalt, et puis une possibilité d'espace virtuel. Ce premier espace virtuel est ce qu'on peut définir un espace virtuel métaphysique, qui sert à faire revivre quelque chose. Donc c'est peut-être la chose, on va dire, la moins originale, mais c'est quelque part ce qui a renvoyé pendant longtemps à cette forme de vraisemblance, un espace virtuel était un alter réalité dans laquelle les formes se rassemblaient. Et effectivement, dans ce sens-là, j'ai repris l'image classique de Métropolis, qui est intéressante parce que effectivement, ce n'est pas du tout une forme de réelle complicité avec une rupture de modernité. En effet, Métropolis, ça m'a toujours surpris parce que c'est quelque chose qui remet au centre le sentiment, voire la sensation qui s'oppose au côté machinique qui tombe à la nuit. Donc dans ce sens-là, il y a une sorte de cohérence dans le mobile, la gestalt, le côté préhensile de la main ou l'engagement du corps. Donc on est dans un espace qui se pense par le corps, dans lequel on va ajouter quelque chose. Et ce quelque chose, on va effectivement l'ajouter avec l'expérience urbaine. Et c'est là où on va dépasser simplement le sensoriel pour aller vers quelque chose de dynamique. Alors, effectivement, là je reprends la petite citation, je la lis, de Velma Puri, qui, donc effectivement américaine, l'a rencontrée aux États-Unis, et qui raconte en effet comment se passait leur promenade, le fait que Paul Lui était sollicité par la ville. Il regardait les bouches d'incendie à New York qu'il photographiait et il dit qu'il regrettait seulement qu'elles ne bougent pas. Et effectivement, c'est ce côté dynamique et cinétique qui intervient dans les cinétisations, qui sont pour moi extrêmement importantes. En effet, pour moi, c'est un vrai passage psychologique. Au-delà du côté, effectivement, manipulation qui a été très, très bien rappelé, c'est parce qu'on dépasse la gestalt pour aller quelque chose, alors là, je le dis, qui est de l'ordre de l'einfühlung. Donc, ça, c'est un passage qui paraît minime, mais qui est très important, je crois, pour le numérique. C'est à partir du moment où on a ajouté du dynamisme, et ça dès les théories de Schmarsoff à la fin du 19e siècle, on introduit des éléments de déstabilisation. C'est-à-dire là, ce n'est pas seulement notre forme et notre capacité à comprendre la forme qui est sollicitée, mais c'est le fait que c'est seulement en bougeant, en se déplaçant dans la mobilité, qu'on arrive à avoir une perception des choses. Donc, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui a été, par exemple, dit par beaucoup de spécialistes de la, du cognitivisme ou des personnes comme Gregory Bateson, par exemple, c'est que, quelque part, on perçoit les choses que dans leur côté, on va dire, justement, réfraction. C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'entièreté de la chose, mais c'est comment notre cerveau arrive à recomposer la chose avec la mobilité. Et dans ce sens-là, donc, il a une vision qui sera celle d'un espace qui a effectivement travaillé non seulement dans les vues et la présence du chantier, je n'entre pas dans les images, mais si vous voulez. Simplement le fait de comprendre. Paul Virilio, bon, déjà il a écrit un texte absolument exceptionnel en 1993 à propos du premier attentat des Tours, parce que effectivement il y voyait quelque chose qui était en train d'avenir. D'ailleurs il y avait eu d'autres attentats à Calcutta, voilà, et il parlait d'une nouvelle forme politique des médias
qui n'était pas du tout celle de Marshall McLuhan, que Virilio n'a pas cessé de critiquer, et je pense que Paul Lurie aurait pu critiquer également, cette idée que c'était finalement la forme du média qui en était aussi le contenu, parce que comme le disait très justement Virilio, dans le média tel qu'il s'était accompli, il y avait une forme de motivité et staticité, c'est-à-dire que c'était extrêmement, comment dire, c'était l'inverse, vraiment totalement inverse par rapport à toute cette idée de mobilité, de découverte qui est présente même dans l'œuvre de Bury, non seulement dans les cinétisations, mais même dans ses sculptures. Il y a quelque chose qui reste toujours mobile, même si à l'apparence c'est immobile. Donc on est dans un espace virtuel. Et puis pour finir, la post-diffraction, qui est quelque chose qui est peut-être peu évoqué par rapport à Paul Lurie, et pourtant il en fait bien partie, parce que surtout dans ses expériences américaines, il avait travaillé avec Wolf Gostel, qui a été, alors là je cite, allez, je la lis la citation, une expérience plus directe dans l'espace extérieur, une expérience faite par les artistes, donnerait aux visiteurs la possibilité d'une réaction créatrice et pas seulement une réaction réflective. C'est-à-dire que les œuvres qui se créent après cette phase de réflexion et éclat, ce sont des œuvres qui vont quelque part infuser auprès du public. Wolf Gostel a fait, on va dire, ce qu'on appelle de l'art participatif. Et il a donné à ses créations quelque chose qui est de l'ordre de l'agression contre agression, dans le sens où, puisque la ville, telle qu'elle est devenue, la ville, on va dire, moderne, hypermoderne, postmoderne, comme on veut l'appeler, c'est quelque part la réalisation du capitalisme et plus proche de nous du libéralisme. Par rapport à cette agression permanente de l'espace, qu'est-ce que peut l'art ? Eh bien, l'art peut répondre avec une agression qui n'est pas une agression par la violence, mais c'est une agression politique par la participation de chaque individu. Et effectivement, c'est quelque chose qui se met en place dans les années 70 avec des œuvres comme celle-ci, où il y a quelque chose qui est de l'ordre de la provocation, qui est aussi de l'ordre du brouillage, parce que ce sont autant de lignes que de mots, et qui s'accomplit avec le carré miroir, où finalement on a un objet qui semble une table, qui est un miroir, qui renvoie à autre chose. Et qui me renvoie, pour faire toujours des parallèles, à ce qu'en 72, donc là pour le coup on est vraiment dans une sorte de temps commun, parce qu'il a été, je pense, très très partagé par eux. On est dans les visions des 12 villes de Super Studio, dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par rapport à ce qui va advenir après. Et du coup, on peut dire que des œuvres comme celle effectivement des cylindres, ou bien le carré miroir, ou encore les villes de Super Studio, sont de l'ordre de l'espace qu'on peut définir cyberpunk. On est dans une autre logique, on est dans une étape supplémentaire. Ce n'est plus l'espace ubiquitaire, ce n'est plus l'espace des médias, dont je n'ai pas lu la belle définition, mais ce n'est pas grave, de Paul Virilio, mais c'est plutôt un espace dans lequel cette formation par éléments, elle va permettre de créer, à proprement parler, quelque chose de nouveau et qui soit de l'ordre d'une rupture politique. Donc ce n'est plus, on est fait aux antipodes là, complètement, de la première image de Métropolis, même si on revient à une forme qui rappelle la réalité, elle n'est plus la réalité. En effet, on est à proprement parler rentré dans l'épaisseur du miroir. Et dans ce sens-là, et je vais en terminer avec ça, je réutilise Paul Virilio, puisqu'il avait dit, puisque nous cohabitons dans un espace, celui de la ville, celui de l'architecture, la réalité de la demeure se rassemblerait au point d'interférence.
au lieu du va-et-vient entre ici et là. C'est-à-dire que c'est effectivement dans cette capacité dynamique qu'on arrive à proprement parler, à être dans cette capacité critique. L'art participatif, où, ouais. Où le spectateur serait inclus ouais. dans l'œuvre, peut-être la partie de l'œuvre, quelque part, mm-hmm. et l'univers cyberpunk, qui quand même nous amène à plutôt une vision dystopique du monde. Alors, et donc, on part finalement d'une rupture politique par la participation vers quelque mm-hmm. chose de négatif. Est-ce que c'est lié finalement à cette notion? Moi, je ne vois pas honnêtement de forme négative dans le cyberpunk. Alors après, c'est un parti pris, on est d'accord. Pour moi, c'est vraiment une forme d'intelligence, parce que, je l'ai dit, il y a une forme gestaltienne, dépassée par une forme de ce qu'on appelle l'empathic space, qui est sur lequel même John Fraser a beaucoup travaillé, et c'est vraiment de l'architecture virtuelle. Et c'est intéressant parce que c'est John Fraser, avec ses premières expérimentations dans les années 90 d'espace virtuel, qui s'oppose par exemple à AutoCAD et tout ça, et qui va dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du vernaculaire numérique. Et pour moi, le cyberpunk est vraiment l'accomplissement de cela avec une forme d'identité, c'est-à-dire c'est quelque part le défi de l'individu. C'est accepter une forme d'intelligence, la swarm intelligence, mais d'ailleurs, je me demande qui est une forme vraiment d'intelligence diffuse qui se fabrique dans les collectifs au risque de l'individu. Et c'est vraiment quelque chose à assumer parce que je pense que ça a une vraie portée politique. Et pour moi, quand je dis l'espace cyberpunk, je ne pense pas effectivement à Gibson et le côté dystopique, même si c'est ça l'origine, je suis d'accord, mais c'est vraiment le fait de dire qu'est-ce que c'est punk. C'est finalement une forme d'acceptation de l'intelligence de l'individu, non pas qu'on y est seul, parce que là, ça serait une déviance du média ou de l'opinion, mais qu'on il est en construction collective. C'est dans ce sens-là. Mais peut-être, je changerai peut-être à la suite de ta réponse.